changeront du 15 août les opérateurs de Marseille. Sur la TNT, je pense que c'était en décembre 2011. Et le changement de grille qui a porté la diffusion de Viastel de 10 heures à plus de 20 heures quotidiennes, c'était en septembre 2011. Donc l'un a accompagné l'autre ou l'une a accompagné l'autre comme on voudra. C'était la possibilité de donner davantage d'espace à l'expression d'abord locale, régionale, nationale et internationale, puisque la grande idée de Viastel, celle qui fait que je pense qu'elle enrichit, et ceux qui la font et ceux qui la regardent, c'est que c'est la Corse et la Méditerranée, et que c'est cet ensemble-là qui a été sur 20 heures présenté avec davantage de programmes de proximité, tout autant que davantage de programmes de découverte, et toujours un équilibre entre la représentation de la Corse et la présence de la Méditerranée. Ça a un impact, au point de vue des spectateurs, parce que cette offre documentaire était tout à fait originale dans le cadre de Viastel, parce que c'était la seule chaîne qui pouvait proposer une programmation méditerranéenne, premier point. Deuxième point, c'était pour la chaîne la possibilité d'avoir une vraie notoriété dans le monde professionnel de l'audiovisuel. Durant les 5 ans que j'ai passé à la tête des antennes, on a accumulé un certain nombre de prix dans le genre documentaire. L'année où j'ai quitté Viastella, il y a eu 5 étoiles sur 30 de l'ASCAM. Et le troisième élément, c'est que une des actions majeures de Viastel, c'est effectivement de pouvoir développer, porter le développement d'un secteur audiovisuel qui est un secteur économique. Et à ce titre-là, l'investissement dans le documentaire, comme l'investissement dans la fiction ou dans le magazine local, ce sont des moyens de développer un paysage audiovisuel, économique, insulaire, qui a ensuite vocation à déborder de l'île, c'est tout ce que je lui souhaite d'ailleurs, et à aller se déployer nationalement et internationalement. Un autre élément important de Viastella, qui je crois fait son originalité, son importance et sa couleur, c'est le bilinguisme. C'est forcément un sujet un petit peu compliqué à la télévision, mais je pense que Viastella a démontré que on pouvait parler dans un cadre bilingue de tous les sujets.